Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau live, le live 46. J'arrive même plus à suivre. Bienvenue, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous et toutes très en forme. Bienvenue. Bienvenue à mes fidèles habitués qui sont là chaque mercredi à me suivre en live, bienvenue à vous. Et aussi, bienvenue aux nouvelles personnes qui aujourd'hui participent pour la première fois à ce live. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous vous plairez ici avec nous. On se retrouve chaque mercredi à 14h sur la page Harmony Scrap. Et je suis donc Harmonie Marais, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis un petit peu plus d'un an maintenant. Et voilà, chaque mercredi après-midi à 14h, je vous propose un live créatif que nous partageons ensemble pour notre plus grand bonheur. Voilà, des petits projets assez simples en règle générale. Et puis voilà, simplement l'avantage, le plaisir de passer cette petite heure ensemble. Je vais m'assurer que vous arrivez et que donc vous réussissez à vous connecter et que vous êtes bien avec moi. Oui, vous avez l'air. Hey Jérôme, coucou, Dominique, Sandrine, Viviane, Béatrice, Muriel, Martine. Super, vous êtes hyper nombreux. Bienvenue tout le monde. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Laetitia, Jocelyne, coucou Fabienne. Ah, génial. Super, tout le monde est là. Alors, est-ce qu'on a des petits nouveaux, des petites nouvelles cet après-midi? N'hésitez pas à vous manifester, qu'on puisse faire un petit peu connaissance ensemble, ça serait cool. Bonjour Magali, coucou Sandrine. Alors, j'ai probablement raté du monde, je suis désolée. Hop. Voilà. Super. Bien. Alors dites-moi comment allez-vous? Coucou Marotine. Tu as yoga club? Moi, yoga club, pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas tout. Bien. Alors, dites-moi comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Est-ce que vous allez pouvoir profiter un petit peu du soleil, ou bien est-ce que ben, vous êtes coincé au travail et du coup on se fait ça en replay? Ben, pas de problème, faudra le mettre en commentaire que je sache un petit peu que vous avez regardé en commentaire. C'est toujours un vrai plaisir de voir ça et puis j'essaye de répondre au fur et à mesure aux commentaires après. Bonjour Jacqueline, bienvenue, coucou Laure. Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup. Bien. Sandrine, super en forme, rien préparé. Oui, enfin, tout est relatif. Super, oui, je vais bien. Vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien, pas de panique. Marion, en replay dès que possible. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous le savez, chaque semaine, ce live, vous le retrouvez donc sur la page. Vous le retrouvez également sur le blog harmoniescrap.fr et aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, du coup, pas de problème. Vous allez avoir ça sans souci. Coucou Corinne. Soleil à Tours. Hello Joël. Ça va, ma belle? Coco, pas terrible. Bon, bah, bon courage pour le kiné. Bien, alors cette semaine, je vous ai proposé de réaliser une carte théâtre qui est bien connue, mais tout le monde n'a pas forcément déjà réalisé. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas, cette carte, je l'avais déjà proposée en fait en présentation lors de mes portes ouvertes virtuelles au mois de décembre. Donc celles et ceux qui l'ont suivi, les ont suivis, pardon, voilà, ça va peut-être leur rappeler des petits souvenirs. Et puis bah, pour les autres, voilà, vous allez donc la découvrir en live aujourd'hui. Et puis je vais essayer de vous montrer le mieux possible comment réaliser cette carte qui n'est pas compliquée en soi du tout, ne vous inquiétez pas. Ah, ma lampe! Bonjour Céline! Montréal! Génial! Bienvenue!
Coucou Émilie. Marotine, découverte pour toi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Marotine dit qu'elle découvre alors qu'elle est là toutes les semaines. Bien. Alors, pour cette carte, en fait, la première que je vous ai présentée, donc sur l'événement, la fiche de l'événement que vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé nos adorables petits requins, les baby sharks, qui sont trop, trop mignons. On les aime tous et toutes, n'est-ce pas? Et puis, aujourd'hui, je vais utiliser évidemment, excusez-moi, une autre collection, hein, bien sûr, pour la réalisation de la carte en direct. Alors, je vous propose d'ores et déjà de retourner ma caméra pour que vous puissiez tout simplement découvrir. Hop, je décale ça pour que vous voyez la carte, je la prends dans mes mains. Et c'est parti. Voilà la fameuse carte théâtre que je vous ai présentée pour vous annoncer ce live d'aujourd'hui. Donc vous remarquez ces superbes baby sharks. Et là, je sens que c'est un live où je vais souffrir grâce à mes chers abonnés fidèles. Je vous interdis de m'embêter aujourd'hui. Pour la petite histoire, pour celles et ceux qui me rencontrent pour la première fois et qui nous rejoignent aussi pour la première fois, cette petite blague en fait vient principalement de mon groupe des VIP d'Harmony Scrap qui compte des membres plus adorables les unes ou les uns que les autres, n'est-ce pas? Et qui se sont amusés en fait à me charrier avec cette fameuse chanson des Baby Shark que probablement nombre d'entre vous connaissez. Et elles ont décidé en fait de me faire chanter. Voilà, j'ai beau avoir un prénom qui peut laisser imaginer d'un éventuel talent de chant, pas du tout. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour vous mettre au courant de la chose. Bien. Donc cette carte, vous voyez, en volume, les plis sont très simples, vous allez voir. Hop, elle se referme comme ceci. Elle rentre parfaitement dans une enveloppe. Puisque c'est une dimension basique, pour vous donner une idée, c'est la taille d'une photo de base. Voilà. Ok, et donc elle s'ouvre comme ceci et laisse apparaître en fait le petit requin qui est collé ici sur une bande de papier transparent. D'accord? Donc vous allez voir, c'est très simple. J'ai déjà réalisé une autre carte. Et puis là, vous voyez donc les papillons. Je n'ai pas pu m'empêcher que de vouloir retravailler avec parce que j'en suis follement amoureuse de ces papillons. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais je les trouve tellement beaux que voilà, je pense que je vais beaucoup, beaucoup travailler avec cette collection qui est juste extraordinairement belle. Ah bah je vous les montre, hein. Vous avez les papiers design ici, comme d'habitude, non pas comme d'habitude, si, pour celles qui me suivent, vous le savez, pour celles qui arrivent, je fais des présentations sur des papiers A4, ok, et donc les papiers sont posés par deux, recto verso à chaque fois, d'accord, donc vous avez 6 modèles de papier dans cette collection, donc c'est du format 15-15 comme vous pouvez le voir ici. Avec, bonjour Nadine, comment ça va? Et j'ai donc mis ici les papiers unis qui sont coordonnés à cette magnifique collection. Je sais que vous êtes déjà très nombreux à avoir vu cette collection. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Parce que du coup, voilà, je crois, si je ne me trompe pas, que cette collection fait fureur déjà. Mais ça m'intéresse d'avoir votre avis à vous en live, en direct, pour que je sache ce que vous en pensez. Donc, le papier de spécialité ici, qui est un papier très fin, qui ressemble en fait à du bois. Vous voyez, recto verso. Il est très très joli. Il brille un petit peu. Ici, vous avez donc les 10 couleurs qui sont couleurs unies, pardon, qui sont coordonnées au papier. Voilà, c'est vraiment, moi je suis totalement fan de ce papier. Et puis, vous avez donc les tamponnages et les découpes.
Donc là, ici sur le haut, vous avez donc la présentation des tamponnages, donc à l'échelle, hein, d'accord? Ils font bien ce format-là. Oh, je suis désolée, le téléphone sonne. Donc mon fils va descendre pour aller couper le téléphone, mais il va faire du bruit dans les escaliers. Donc les tamponnages, vous avez les découpes du contour, d'accord? Et vous avez aussi les superbes découpes dentelées ici, voilà, qui sont juste magnifiques. Et donc le set de tampons, voilà, il est en un seul bloc. Et voilà ce que ça donne quand vous tamponnez. Et du coup, vous avez la découpe complète pour découper l'ensemble de ce tamponnage qui est juste magnifique. Sabine, elle est belle, hein. Hop, voilà, je vous la montre en réel. Voilà, donc vous avez cette découpe en un seul morceau. Voilà, qui viendra vous couper plusieurs fois vos tampons. Donc vous pouvez en faire d'avance. Si vous utilisez par exemple le Stamparatus, vous pouvez vous faire des papillons d'avance de plusieurs couleurs différentes pour les stocker pour des futures cartes. D'accord? C'est vraiment génial. Et vous avez tous ces magnifiques papillons. Et donc là, je vous montre aussi donc, les poinçons un peu à l'envers avec ces magnifiques détails. C'est beau, hein? Moi, je craque. Voilà, je craque. Attention, la plaque aimantée, hop, c'est moi qui l'ai... c'est moi qui l'ai ajoutée. Hein. Elle n'est pas fournie par Stampin' Up. Hop, voilà. Allez, je range ça. Donc voilà, cette collection vraiment absolument magnifique. Et donc, la deuxième version, c'est celle-ci. Voilà, avec cette collection que j'ai utilisée, Juste Jade et Mystérieuse Brume. Bah voilà Sabine, tu vois. C'est top, hein. Voilà ce que ça donne. Donc, je l'ai jumelée, vous le verrez, avec la collection des belles courbes ici et également avec ici vous voyez les belles j'ai perdu le nom, bref, fleuries. Et ça fait partie d'un set de poinçons de jardin ornemental, vous voyez. Donc on a une deuxième version complètement différente. Hop, voilà. Du coup je vais pouvoir vous montrer donc les poinçons de jardin ornemental. Ils sont comme ceci. Donc on fait des frises par exemple, voilà, et des découpes vraiment magnifiques. Et pour, petite astuce, pour coller les papillons par exemple, hein, qui sont très dentelés, ou les frises comme ceci, fleuries, ou encore les minuscules petits poinçons, qui sont par exemple le nœud papillon et la cravate dans Baby Shark, ou le petit chapeau. Je vous conseille très fortement d'utiliser tout simplement les feuilles d'adhésif. Alors, si vous ne savez pas les utiliser, je vous invite à vous rendre tout simplement sur mon profil Instagram. Du coup, j'ai fait une petite vidéo et vous verrez comment ça fonctionne. Vous allez voir, en fait, c'est bête comme chou. Ok, alors maintenant que je vous ai montré ça, nous allons commencer la réalisation de cette carte. Pour le papier, je vais vous redonner évidemment les mesures, mais vous les aviez, pour celles qui ont préparé les papiers, vous les aviez dans l'événement. Hop. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Du coup, j'ai un doute. Ah oui, ça y est, ça a l'air d'être bon. C'est parti. Ouais, super. C'est bon. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit doute sur la connexion, mais si, c'est bon. Alors, je mets ça de côté et du coup, je pars toujours sur la même collection des papillons pour travailler avec elle, avec vous, en direct. Et du coup, là, on va partir sur le rouge et sur le rose, voilà, pour changer un petit peu des couleurs un peu plus froides que sont le béguin bleu et le juste jade. Super. Vous avez l'air emballé, je suis contente. Alors, c'est parti.
J'ai préparé mes découpes un petit peu à l'avance pour vous faire gagner un petit peu de temps parce que je vous connais, on papote. Voilà, alors je sépare tout ceci. Voilà, le papier design, le papier uni. J'ai déjà préparé donc mes papillons que je vais mettre sur le fond de ma carte. Et là, vous voyez, alors je n'ai pas... Ils brillent en plus, donc je les ai badigeonnés de Wink of Stella, le pinceau à paillettes qui est pareil, un outil que j'adore. Voilà, et à l'arrière, j'ai fait la découpe complète en fait dans du papier vélan. Voilà, et du coup, ça donne un petit effet super sympa. Donc ça, on se le garde pour après, pour la déco. Coucou Kali, bienvenue ma belle. C'est bon, et regarde, on n'a pas encore commencé. Alors, c'est parti. On se met bien les idées en place pour essayer de vous faire ça correctement. Et c'est parti. Donc, le premier papier uni qu'il vous faut, c'est du 14,8 par 10,5. Ok ? 14,8 par 10,5. Coucou Muriel, coucou Marie-Thérèse. Ce morceau de papier-là, c'est ici que nous allons évider. D'accord ? Nous allons l'évider pour faire donc cette partie ici. Alors, il y a deux possibilités. La première, vous avez comme moi des rectangles en poinçon. Et du coup, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Ok ? Pour les personnes qui n'ont pas donc de poinçon pour pouvoir évider directement, je vais vous mettre à l'écran. Donc, vous pouvez noter si vous voulez entre-temps. Sinon, je suis sûre que les participantes vous donneront les mesures au fur et à mesure. Voilà. Alors, vous voyez, le cadre rouge, en fait, c'est celui qu'il va falloir couper. Donc, je vous invite à vous servir soit de votre coupe-papier, soit tout simplement d'un cutter. Voilà. Et vous pouvez donc, dans un premier temps, le dessiner. D'accord. Donc, le dessiner, le cadre, et vous avez les marges, en fait, tout autour, pour pouvoir vous rendre compte, pour qu'il soit le mieux centré possible. Ok, c'est bon pour tout le monde. Alors, Laure, ma caméra bizarre, ouais, c'est possible. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Hop. Mais bon, j'espère que ça ne va pas gêner la réalisation de la carte. Alors, j'enlève ça, je reviens ici. Donc, moi, je prends donc mon rectangle surpiqué, voilà, qui fait partie d'un set de poinçons avec différents rectangles. Et je viens, hop, le positionner, je le centre, donc 1,5 en haut, 1,5 en bas et 2 sur les côtés. Donc, je vais juste m'assurer avec ma règle que je suis à peu près bien. Ok. Voilà. Et je vais venir le poinçonner. Pour cela, je vais prendre ma machine de découpe. Alors, voilà. En faisant attention... De pas tout renverser partout. Ça va tout le monde? Donc là, pour l'instant, on vient évider donc le rectangle sur le morceau de papier de 10,5 par 14,8. Donc jusque-là, tout va bien. Alors, ça fait vert et jaune. Bah, les filles, je sais pas quoi vous dire. Là, pour le coup, j'ai rien changé, hein. Alors, bougez pas, je me mets debout. Hop.
Voilà. Donc ça, c'est fait. Mon tapis de coupe est bien rose, hein. Donc ça, c'est normal, hein. C'est que j'ai un nouveau tapis de coupe. Donc vous inquiétez pas, ça c'est normal. Et voilà. Donc là, ça y est. Nous avons notre cadre. Et du coup, ça, vous pouvez le réutiliser pour une autre création sans aucun problème. Hop. Vous voyez, c'est surpiqué, du coup, il y a les petits, comme de la couture, là. Du coup, on peut le réutiliser après pour une autre carte. Ok. Bah écoutez, j'ai pas de solution pour la couleur, je suis sincèrement désolée. J'ai pas de solution. Voilà. Alors, on continue? Ça ne nous empêche pas d'avoir la réalisation de la carte? Ça marche? On fait ça? Allez, on fait ça, on continue. Bien. Maintenant que nous avons notre carte. Cadre, excusez-moi. Nous venons prendre maintenant l'autre morceau de papier uni. 18 cm par 8,5. 18 cm par 8,5. Ce papier, il va simplement falloir lui faire des petits plis. Donc, je prends le coupe-papier. Je viens faire un pli dans un premier temps à 1 cm du bord droit et 1 cm du bord gauche. Ok ? Donc, 1 cm. Je me suis téléportée sur la planète Mars. Ça y est, elles sont parties. Hop, 1 cm ici et là. Nous allons faire un second pli maintenant qui sera, lui, à 5 cm. Toujours depuis bord gauche et depuis bord droit. Donc, ici, dans un premier temps, je me mets à 5 cm. Voilà, je retourne mon papier et je me mets à 5 cm à nouveau. Voilà. Pour cette partie-là, c'est fini. Nous n'avons plus rien. Ok ? Alors, ce que nous venons de faire, c'est cette partie-là, en fait. D'accord ? Ça, c'est bon. Je mets ça de côté pour le moment. Non, parce que du coup... Il me manque des petits bouts de papier, mais ce n'est pas grave. Je vais les prendre. Ici. Hop. Alors, il nous fallait également des petites bandes de papier qui vont servir de renfort en fait. Donc il en fallait deux de 14,8 par 1,2 et deux de 10,4 par 1,5. Donc 14,8. Voilà. Donc pour celles qui n'auraient pas préparé leur papier, c'est parfait. Donc 14,8 par 1,2 et il nous en faudra deux. Donc le premier et le deuxième. Donc ces quatre bandes de papier vont nous servir de renfort pour l'arrière du cadre. Ok, donc ces deux là ici. Et il en faut donc deux autres de 10,4 par 1,5. Donc 10,4. Par 1,5.
je regarde vos commentaires en même temps. C'est pas une bonne idée, en fait, parce que je sens que vous allez me perturber. Et là, hop, 1,5. Coucou, Aude, comment allez-vous? 10,4 par 1,5. Il y a pas mal de dissipation aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est les petits bouts de papier que j'avais oubliés. Bien. Alors, maintenant, sur ce papier ici, nous allons... Vous voyez, j'ai les encoches là, derrière, qui sont découpées pour faire entrer donc le papier fenêtré. Donc, pour cela... Vous avez les plis de 1 cm ici et les plis de 5 ici. Donc là, il s'agit tout simplement donc de vous munir encore une fois de votre cutter, d'un crayon, de papier et d'une règle. Ok. Et simplement venir faire des petites marques pour savoir où couper ou faire ces fameuses encoches pour pouvoir insérer ensuite le papier fenêtré. Ok. Donc, vous allez venir vous mettre entre le pli de 1 cm et celui de 5. Ok. Alors, Evelyne, pas grand-chose. Si vos papiers sont prêts, en plus, tout va bien. Là, j'ai fait donc les plis sur le morceau de papier de 18 par 8,5. D'accord? Donc, 1 cm, 5 cm depuis la gauche. 1 cm, 5 cm depuis la droite. Et donc là, je suis en train donc d'expliquer qu'il va falloir faire deux petites marques pour venir faire des encoches pour rentrer donc le papier fenêtré. Ceci est une option, d'accord? Si vous ne voulez pas le mettre ou si vous n'en avez pas, vous pouvez parfaitement laisser donc ici sans le papier fenêtré. Ce n'est pas une obligation. Dans ces cas-là, ne faites pas vos encoches, ça ne sert à rien. D'accord? Ok, donc, j'ai du mal à me concentrer avec vos bêtises, les filles. Hein. Je sens qu'on est parti sur Mars, les martiens, je ne comprends pas. Ok, bien. Nos fameuses petites marques. Nous allons nous baser à, donc je suis au pli de 5 cm ici, donc 1 cm depuis le pli vers la gauche et 1 cm vers le bas. Ok, donc là je vais me servir de mon papier quadrillé. Hop, ça aide toujours d'en avoir parce que vous voyez mon pli ici. Donc je sais que 1 cm c'est là. Et donc je viens hop, faire ma marque à 1 cm ici. Hop. Donc, voilà. Et je fais cette encoche d'environ 1,7-1,8 cm. Voilà, à peu près. Donc, je vous montre là, ici, nous avons le pli de 1 cm, ici le pli de 5 cm. Je mesure, je vais mettre comme ça, vous verrez mieux. Je mesure depuis ce pli-là 1 cm vers la gauche et 1 cm depuis le bas. Et je fais une marque ici d'environ 1,7-1,8 cm. D'accord? Et je viens faire la même chose sur la partie droite. D'accord? Donc, j'ai mon papier comme ceci. Je viens mesurer 1 cm depuis ce pli vers la droite et 1 cm depuis le bas. D'accord? Et je viens faire une marque pareille pour mon encoche. Donc, même principe. Voilà. Hop. 1 cm. Donc, c'est ici. Et je viens faire 1,7-1,8 à peu près. Ok ? Alors, ensuite, je viens faire mon encoche, donc avec
mon cutter. Là, je vais enlever ma feuille, du coup, pour la garder dans l'état. Oups, j'ai déjà enlevé le... Ah bah, j'ai failli me trouer la main. Ok, et là, je viens donc couper mon encoche ici. Donc, soit selon l'épaisseur de votre papier fenêtré, soit une simple coupe suffira. Voilà. Si jamais il est un petit peu plus épais, vous pouvez faire une encoche d'un demi-millimètre, par exemple, hop, pour qu'il glisse un petit peu mieux. Voilà. Mais si votre papier est très fin, juste une encoche suffira. Voilà. Et je fais pareil donc de l'autre côté. Comme ça. Et je viens couper pour créer mon encoche. On n'oublie pas, si il apparaît encore, d'effacer le trait de crayon, bien sûr. C'est pas fait exprès, Coco. Quoique si, j'aime bien le rose. Ça rappelle mon logo et tout ça. Voilà. Donc là, nous avons bien les deux encoches pour passer le papier fenêtré. Ok ? Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pour l'instant, est-ce que vous arrivez à suivre ? Je vais venir marquer mes plis. Hop. Voilà. Pour cela, je viens m'aider évidemment de mon plioir. Voilà. Ok. C'est les vitamines. Ouais, ouais, je deviens rose à cause des vitamines. Mon Dieu, elles sont folles. Donc, hop, voilà. On travaille bien le papier parce que du coup, on sait que c'est un mécanisme qui a pour vocation de bouger. Donc, on travaille un petit peu le papier, voilà, pour qu'il prenne bien les plis et qu'il soit plus malléable. On aime le papier, donc on travaille avec douceur. Ok ? Donc, vous voyez, cette partie viendra comme ceci. Donc, les petits plis vers vous et le reste vers l'arrière. Vous devez obtenir cette forme-là. Ok ? On va maintenant s'occuper des panneaux latéraux. Vous voyez, donc, ils sont ici et ici. Ça marche? Pour cela, il vous fallait la couleur numéro 2 que j'ai moi choisi blanc. 7 par 8 cm et il vous en faut 2. Donc ça, sur la fiche du matériel nécessaire, c'était donc les deux morceaux de couleur numéro 2 à 7 par 8 cm. D'accord? Et là, je me rends compte que j'ai encore du papier qui s'est sauvé. C'est quand même extraordinaire. Pour la petite histoire, mon tapis de coupe est arrivé alors que j'avais tout installé. Du coup, il a fallu qu'on enlève tout et qu'on remette tout. Ça doit être pour ça. Alors, nous avions aussi besoin de la couleur numéro 1 ou 1, comme on veut. Ça marche. Coucou maman. Bonjour Fatma. Oh là là, belle production Fatma. La bave d'escargot, oui. Elle fait un effet phénoménal, Dominique. Et donc, 8,5 par 7,4 fois 2. Pour la couleur 1. 8,5 par 7,4
2 pour la couleur 1. 8,5 par 7,4. Hop, 8,5 par 7,4. Voilà. Et ensuite, donc, la couleur 2 qui servira de papier de matage, en fait. Voilà. Qu'on va venir coller dessus. Ici et là. Ok. Et le papier design ensuite. 7,7 par 6,7. 7,7 par 6,7. Il vous en faut 2, bien sûr, vous l'aurez compris. Hop. Et ça va tout simplement venir se mettre ici. Ok. Déjà, je trouve que ça commence à donner super beau. Alors, on vient tout simplement les coller. Ok. Et ensuite, nous viendrons les assembler. Hop, ici sur nos deux plis d'un centimètre. Voilà. Donc ça, vous avez vu, c'est un des papiers recto verso de la collection que j'affectionne particulièrement. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez à suivre? Alors, vous le savez ou pas, d'ailleurs, je vais peut-être vous l'apprendre pour certains ou certaines d'entre vous. Toutes les semaines, à la fin du live, la vidéo donc est téléchargée plus ou moins rapidement selon les jours sur ma chaîne YouTube. Vous la retrouvez également sur mon blog. Tout est sous le nom d'Harmony Scrap, c'est plus simple. Et du coup, sur l'article de blog, vous avez à disposition toute la fiche technique pour la réalisation du projet, d'accord? Donc vous avez les mesures, les schémas, des photos, l'explication. En gros, vous avez un tuto gratuit, version papier, que vous pouvez télécharger, qui se présente comme ça. Et donc vous avez aussi sur l'autre page les schémas, d'accord? Donc si là vous avez des bugs pendant le live, pas de panique, vous pourrez revoir et la vidéo, et puis télécharger et imprimer votre fiche technique pour pouvoir la faire après tranquillement. Ok ? Donc, maintenant que j'ai mes deux panneaux ici, je vous ai dit, on vient les coller. Hop, comme ceci. Ok ? Pour cela, je vais prendre mon double face pour faciliter le maintien, pour m'assurer que ça ne va pas se sauver. Hop, donc sur l'avant. Voilà. Bisous Corinne, bon courage ma belle. Voilà, tout simplement, ça c'est bon. Et je viens donc coller. Merci Florence, c'est gentil, super organisé, je sais pas, mais... c'est adorable. Alors, hop là. Donc là, on ne se trompe pas de sens. Nos encoches sont vers le bas. D'accord? Donc faites attention que votre papier ne soit pas sur le haut et que vous avez du papier design qui a un sens. D'accord? Et de vous retrouver à le poser à l'envers. Bon, après, ceci dit en soi, ce n'est pas dramatique. Ça veut dire que votre bande sera en haut. C'est possible aussi. Mais bon, du coup, ça vaut le coup d'y réfléchir avant. Ok? Et on vient coller donc le panneau donc sur la gauche, juste avant le pli, juste au bord du pli. On fait attention à ce que ce soit bien droit. Voilà. Et on fait de même de l'autre côté. Coucou Céline, bonjour Daniel. Ouais, Karine, pourquoi pas? Finalement, en fait, on peut aussi très bien la mettre en haut. Hein. Hop. Et voilà. Et ça va venir
comme ceci. Ça va, hein? Ok, alors, maintenant nous allons venir décorer ici. Alors, pour les personnes qui n'ont pas fait les encoches et qui ont décidé donc de ne pas mettre le papier fenêtré, vous pouvez décorer les deux panneaux latéraux qui sont ici au niveau des encoches. D'accord ? Ça, c'est possible. Ce qui fait que toute votre bande de papier ici aura du papier design. Ça, c'est tout à fait faisable. Par contre, si vous avez fait les encoches et que vous prévoyez donc de mettre ce fameux papier fenêtré, alors, vous pouvez toujours le décorer, mais du coup, il va falloir couper vos deux ou trois couches de papier au cutter. Voilà. Je préfère vous le dire, c'est encore une option possible. Ici, donc là, le papier matage n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez en mettre donc un morceau de 8 par 7,5 et donc 0,5 de moins pour le papier design. Coucou Daniel, merci, c'est gentil. Donc je viens mettre ici, alors sur mes deux premières versions, sur ma toute première version, je n'avais pas de papier matage. Sur les deux autres, je me suis dit pourquoi pas, ça va faire ressortir un petit peu le papier, donc ici, donc 8 par 7,5. Donc ça, c'est la dimension du papier matage si vous souhaitez en mettre. Si vous ne souhaitez pas en mettre, ça sera donc la mesure de votre papier design. Et si vous souhaitez donc mettre le papier design, ici, il fait 7,5 par 7 cm. Et du coup, hop, le mien est un petit peu trop grand. Donc, 7 par 7,5. Et voilà. Et du coup, je viens maintenant le coller. Coucou Cathy! Bon courage, ma bichette. Voilà. Ok, bon, vous voyez jusque-là, rien de très compliqué. Nous avons notre structure comme ceci, voilà. Là, ça va laisser faire apparaître ici. Ok, je vais d'ores et déjà venir coller mon beau papillon brillant ici à l'arrière. D'accord ? Pour plus de facilité. Hello Patricia, comment ça va? Ça sera plus facile après que de le coller avec une fois que la structure sera assemblée. D'accord? Donc, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait la découpe et j'ai coupé le contour dans du papier vélin que j'ai coupé avec des glue dots et la partie brillante avec le Wink of Stella. Alors, je vais venir le coller avec un petit bout de double face, tiens, hop. Ouais, Florent, je suis d'accord, les couleurs sont extraordinaires. Ça fait un bien fou. Voilà, et je vais venir le coller à l'arrière. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté pour l'instant, je vais venir reprendre donc mon cadre, ok, je vais venir lui coller les renforts en fait, mais là, attention, je prends déjà donc mes deux petits morceaux de 1,2 par 14,8, donc je retourne mon cadre, hein, parce qu'on est bien d'accord, c'est à l'arrière que ça va, je vais coller donc entièrement ces deux renforts en haut et en bas, donc sur les parties les plus longues. D'accord ? Donc ça va. Rien de très particulier à dire là-dessus. Je viens de perdre mon double face. Il est là. Hop ! Donc, je viens la coller. Non, Laetitia, tu peux mettre de l'épaisseur, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, là, il y a le...
comment dirais-je, il y a le papier fenêtré. Donc il n'y a pas de souci en fait en soi. Bon, ça fait une petite épaisseur, mais du coup, c'est pas gênant. Oh, j'ai dévasté ma carte. Bougez pas, je remets tout ça. Non, mais j'ai les requins qui se sauvent. Donc, j'en étais au renfort. De rien, Laetitia. Hop. Voilà. Donc ça, c'est sur les renforts, les deux plus longues, qu'on vient coller entièrement en haut et en bas. Ça va, vous suivez toujours? Alors, vous allez encore avoir ma tête dans mes caméras. Attendez, je vais faire ça comme ça. Hop. Donc, on fait attention à ce que ça ne déborde pas à l'intérieur du cadre. Voilà, on essaie que ça soit le plus droit possible. Comme ceci, et on fait pareil avec la seconde. Ils sauvent parce que je chante pas. Non, non, les requins ne se sauvent pas parce que je ne chante pas. Ils se sauveraient si je chantais. Et je viens coller ma deuxième bande. Hop. Voilà. Donc là, j'ai les renforts de mon cadre, vous allez pouvoir constater que au maintien déjà ça va mieux. Ok, maintenant il va falloir venir coller. Bonjour Claude, bienvenue. Il va falloir venir coller les renforts latéraux, mais attention ici et ici, il ne faut surtout pas les coller entièrement. Je vous explique. Sur l'assemblage, en fait, vous voyez, les panneaux glissent là. D'accord? Des deux côtés. Parce que nous allons insérer ces parties-là dans ces renforts-là entre les deux papiers. D'accord? Donc, il est très très important de venir ne coller ces bandes qu'aux extrémités. D'accord? Et pour vous assurer le mieux possible, en fait, de poser ce double face ou cette colle au bon endroit, je vous invite dans un premier temps donc à bien positionner votre cadre, de prendre la partie du mécanisme ici, d'accord, et de venir en fait le positionner à l'arrière de votre cadre pour vous rendre compte à peu près de là où tout ça va se trouver. Ok, donc vous voyez que finalement là on essaye de centrer le mieux possible. Hop. C'est très important de faire ça avant pour que vous soyez sûr après que tout le mécanisme va bien rentrer entre les bandes. Parce que vous voyez, ça va venir comme ceci. Voilà. D'accord? Et ça rentrera à l'intérieur. Donc il est vraiment super important de bien positionner avant pour se rendre compte à peu près de où on met la colle. Je pense que c'est clair. Oui, du coup, elle est pliée là, Claude, vous voyez? Alors, un petit conseil, vous faire une petite marque, hop, en haut et en bas, pour vous indiquer où il ne faudra pas dépasser pour venir coller ces fameuses bandes. Grande partie de votre mécanisme va se jouer ici. Donc je fais une petite marque un petit peu au-dessus. Voilà. Hop. Et là maintenant, je sais que je vais pouvoir venir déposer mon double face ici, ici, là et là, pour venir faire tenir ces petites bandes de papier. Oui, mais pas tant que ça, ma routine, hein, je t'assure. Regarde, du coup, ça, là, ça va nickel, hein. Ça passe très bien. Voilà. D'où l'intérêt de bien faire attention avant. Hop, à où on met. On y va tranquillement, savoir où on met exactement notre double face.
Faut pas loucher. Quand on vient poser double face, après, s'il y a besoin de couper aux extrémités, c'est pas un souci. Là, ça va dépasser. C'est pas grave, je vais le couper après au ciseau, c'est pas un souci. Mais il vaut mieux couper un petit peu le double face et être sûr que la bande est au bon endroit et que le mécanisme va pouvoir rentrer correctement. Voilà. Voilà, ça va venir là, hop, au bord. OK. Juste avant de venir les coller, si vous le souhaitez, je vous invite à venir faire des petits arrondis ici sur les deux côtés de votre cadre. Hop. Donc à l'aide d'une perforatrice ou de ciseaux si vous n'en avez pas. Ce sera pour faciliter la sortie des petits panneaux latéraux que nous allons insérer. Voilà. Mais non, les filles, ça va le faire, vous inquiétez pas. Ok, et maintenant, je viens coller ces petites bandes de renfort latérales. Là, je vois que mon double face dépasse un peu. Alors, hop, un petit coup de ciseau, légèrement. Voilà, là aussi. Comme ceci. Et cette fois, on vient les coller. Bonjour Claude, comment ça va? Sandrine, la tricheuse, qui n'est même pas en train de scraper. Non mais franchement. Hop. Voilà, je vais venir coller la première. Au bord. Voilà, et la seconde. Est-ce que ça va tout le monde? Je vous ai perdu ou pas? Ou est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Dites-moi. Claude, oui, bien sûr, il y aura toute une fiche technique sur mon blog après, sans aucun problème. C'est ce que je disais tout à l'heure que vous pourrez télécharger. Juste le temps que la vidéo charge après le live et vous aurez voilà, un tutoriel à télécharger en plus du replay en vidéo. Et voilà, là on a nos renforts. Ok, et on va pouvoir insérer ici. Un petit conseil supplémentaire avec votre plioir. Hop, on tient bien là et on aide un petit peu le papier à prendre le pli futur pour l'insertion de nos panneaux. Voilà, j'essaye de vous donner un maximum de petits trucs pour que ce soit le plus fluide possible pour vous au moment du montage. Oui, c'est mes horloges font un bruit pas possible, j'ai horreur de ça. J'ai pas le droit de mettre de musique pendant les lives, sinon je le ferai. Alors, je reprends mon panneau. Si vous le souhaitez, vous pouvez à l'arrière, ici, ajouter un morceau de papier blanc pour écrire un petit mot quand même. Ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc là, vous prenez la dimension donc, du papier design qui était 8 par 7,5. Donc, ensuite. Eh bien, il est temps de mettre le papier fenêtré donc dans mes encoches. Concentration extrême dans la fusée. Ça y est, elles sont vraiment parties sur Mars. Alors, mon papier fenêtré. C'est le problème du papier transparent.
bougez pas. Alors, il est où mon papier? Il se cache. Bon, alors, je vais en prendre un autre. Bougez pas. Voilà. Alors, nous sommes tellement sans centrés, pas de bruit, c'est un truc de ouf cette carte. Alors, un truc de ouf, c'est-à-dire, Claude, parce que vous la trouvez bien, parce que, dites-moi, c'est pourquoi? Le papier fenêtré, 14 cm par 1,4. 14 cm. Alors, si vous le coupez avec votre coupe-papier, très, très en douceur, parce que la lame, elle n'aime pas trop ça. 14 par 1,4. Hop là. Alors oui, effectivement, Sandrine, si on était en zoom, oui, je pense que ce serait plus le bazar que ça, parce que quand je vois tous vos commentaires sur Mars et les fusées, on en serait mal. Hein. Mon morceau de papier fenêtré, je l'insère dans l'encoche de droite par l'arrière. Je viens. Hop. Ok. Voilà, c'est pas très compliqué. Et je vous avais noté. Donc, dans les mesures. Non, elle n'est pas compliquée du coup, Claude. Il faut prendre le temps tranquillement, en fait. Donc, là, vous avez, hop, votre papier fenêtré. Et pour l'empêcher, en fait, de se sauver, on va lui mettre deux petites chutes de papier qui vont être un petit peu plus larges à droite. Et à gauche pour l'empêcher de rentrer tout le temps à l'intérieur et de se sauver. Donc là, on prend tout simplement des petites chutes de papier, en général de la même couleur, hop, que votre carte, tout bêtement. Voilà. Et on va venir donc la coller ici. Alors, quand vous allez le coller, assurez-vous que ça ne dépasse pas de votre carte en bas. D'accord? Donc vous pouvez l'ajuster après, hein, il n'y a pas de souci. Donc je prends un petit bout de double face. Voilà. Tout au bord de ce papier fenêtré, je mets un morceau de double face sur la droite déjà. Voilà. Et je vais venir coller ma chute, voilà, juste au bord. Hop. Ok, donc vous voyez comme ça. Là, ma petite chute ne dépasse pas du bas de mon papier. Si vous voyez bien, voilà. Et du coup, elle est plus grande que mon encoche, donc mon papier fenêtré ne rentrera pas à l'intérieur. Et je fais pareil sur l'autre extrémité du papier fenêtré. Mon petit morceau double face à l'extrémité du papier fenêtré. Merci Béatrice. Tu me rassures. Hop. Voilà. J'espère être suffisamment claire pour tout le monde. Voilà. Et je viens coller ma petite chute. Ok, ça c'est bon. Vous voyez, on a pratiquement tout fait. Voilà. Maintenant, je vais juste venir coller ici donc mon deuxième papillon. Qui est si beau, si pailleté, donc que j'ai découpé dans le magenta en folie. Et puis là, eh bien, on vient le coller hop, sur notre papier ici. Donc on fait juste attention donc, à ce qu'il ne déborde pas de la carte au moment où on va le poser. Hop, donc je vais prendre mes glue dots pour venir le coller.
Hop. Donc les mini points de colle. Alors, ça devrait aller. Et je viens le positionner. Donc on sait que ça va bouger. Voilà. Hop. Yes. Nickel, vous avez vu ça? On a presque terminé. Maintenant, il s'agit simplement, hop, de venir insérer tout ce mécanisme dans le petit cadre. Donc, votre, ne vous inquiétez pas, votre papier là, fenêtré, va forcément bouger. C'est normal, d'accord? Si vous avez un souci de votre petite chute qui dépasse, on vient couper un peu. L'essentiel, c'est qu'elle ne rentre pas dans l'encoche. OK? Et donc, on vient tranquillement, sans s'agacer, pardon, dans une grande zénitude, insérer notre mécanisme. Alors, on s'assure que tout rentre dedans. Voilà, dans notre petit cadre. Tranquillement. Voilà. Hop. Comme ceci. On vise. Voilà, ça va tout seul si on y va tranquille. Hop, on le récupère de l'autre côté. Comme ceci. Le tout, c'est de ne pas s'énerver, d'y aller tranquillou. Ça serait dommage d'être en arrivée, d'être arrivé jusque-là pour tout casser après. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça va nickel dedans. Hop, on ouvre et on a, hop, nos petits panneaux ici. Donc, je vais venir décorer l'avant de mon cadre. Ah, je me disais, il y a un truc qui bloque. Faut sortir vos chutes, que ça reste pas dans le cadre. Ok, voilà. Et donc là, je vais rapidement venir coller. Donc j'ai découpé comme sur l'autre modèle avec le juste jade cette superbe frise de fleurs de jardin ornemental que j'ai découpé donc dans le papier design bijoux de papillon. Encore le téléphone, je suis désolée. Ok. Et pour venir, hop, juste le coller sur mon cadre ici. Du coup, ça dépasse un petit peu, c'est normal. Donc là, je choisis, hop, même principe. Ici, vous constaterez que je n'ai pas utilisé la feuille d'adhésif simplement parce que, vous voyez, hop, sur la partie droite, ça va déborder ici dans le vide. Donc, je ne veux pas que ça soit collé sur mon papier design. Donc ici, je vais prendre juste ma colle de précision, hop, pour coller simplement les endroits qui seront collés au cadre. Là, je viens me séparer de ce qui reste. Voilà, tout simplement. Cette petite chute-là, bah, vous pouvez, comme moi, l'utiliser pour l'arrière de la carte pour décorer le papier blanc, par exemple. Alors, ma colle de précision est ici. Merci Claude. Voilà, donc je viens coller à peu près là où je sais que hop, la fleur va être collée. Je vais faire ça au fur et à mesure. Voilà, c'est très très coloré. Mais ça fait du bien.
Hop. Un petit peu de colle ici. Voilà. On y va tranquille. Voilà, ça va décorer un petit peu notre cadre. Merci Louison. C'est pas con ça, dit Marotine. Ok, et j'ai fait pareil donc avec la seconde. Voilà. Je positionne à peu près là où je veux que ça aille. Comme ça. Ça sera pas forcément hyper méga symétrique, mais en même temps, est-ce bien bien important? L'essentiel, c'est que ça soit joli. Non, on va faire dans l'autre sens. Hop là. Voilà. Bord à bord ici. Je vais venir couper le restant. Et je viens coller. Voilà. Donc ici, ça va venir là. Le papier, c'est Bijoux de papillon. C'est toute la collection en fait de papier design là, avec les papillons. C'est un recto, c'est un verso de papier là. Et j'ai simplement découpé ma frise dans le papier design. Ça donne un peu plus de couleur. Qui se lance dans ce défi? Ah, mais Claude, vous? Bien sûr. Voilà. Hop, donc l'essentiel est OK. Hop. Allez, pour vraiment finir la carte à fond fond, je vais couper le papier blanc. Hop, que je vais mettre à l'arrière. Donc 8, oula, par 7,5. Du coup, vous allez voir comme ça. Hop. 8 par 7,5. On vient le coller souplat à l'arrière. Voilà. Donc, ça vous fait un petit espace pour écrire un petit mot, tout simplement. Et puis, du coup, on se sert du reste de la frise, enfin, au moins une partie d'une des deux frises, pour venir décorer un petit peu. Voilà, donc vous voyez, il me reste ces deux chutes-là. Donc là, je vais prendre la plus arrondie. Et puis, du coup, bah, on peut venir tout simplement la coller, hop, sur le côté. Ça fait une deuxième petite déco. Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire ce genre de carte en replay, en fait, hein. Parce que, du coup, quand c'est un petit peu plus. Travailler, on va dire. Voilà. Il y avait longtemps. Voilà. Je referme tout de suite ma colle de précision parce que sinon elle est bouchée. Voilà. Et du coup, voilà, vous avez de quoi écrire votre petit message à l'arrière. Et vous avez cette carte très très printanière avec ce joli petit cadre ici. Et puis vous pouvez toujours mettre un message que donc j'avais prévu ici. Catherine, super carte que j'ai réalisée en même temps, sauf au fond, une photo et sur le papier fenêtré une étiquette Bonne fête mamie. Ah génial! Ça me fait plaisir Catherine, c'est top, j'aimerais bien la voir. Et du coup, tiens, là, ça sera nickel. Ça sera nickel. Ah, Nathalie, je t'avais pas vue, ça va? Deux mini-dimensionnels sur les côtés de l'étiquette. L'étiquette a été faite avec la perforatrice 2 ovales. Voilà. Oh, désolée Laetitia.
Je viens coller ici la petite touche finale. Et voilà. Donc, la troisième version de la carte théâtre. Hop. Donc, vous voyez, on peut lui donner plein de styles complètement différents. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Cette collection, moi, je l'adore. Du coup, je trouve qu'elle magnifie n'importe quelle création, rien qu'avec le papier et les papillons, en fait. Je trouve que c'est juste extraordinaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que la réalisation de cette carte, alors soit en live, soit en replay, vous fait plaisir, vous donne envie en tout cas. Ah, merci Marianne, c'est trop gentil. Ça marche Karine, pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour ce nouveau live. J'ai passé un très très bon moment en votre compagnie, c'est un vrai bonheur à chaque fois. J'espère que les nouveaux ou nouvelles venus ont pris également du plaisir. Merci Claude, c'est gentil. Coucou Fatou, merci. Merci beaucoup. Donc comme je vous disais, hein, je télécharge la vidéo et puis donc vous pourrez la retrouver sur le blog harmoniescrap.fr et puis donc la fiche technique sur le blog, la fiche à télécharger avec toutes les mesures et les schémas et le replay donc sur également la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça serait vraiment adorable. Merci beaucoup d'avance et puis donc n'oubliez pas la petite vidéo sur les feuilles d'adhésif. Sur Instagram, Harmony Scrap. Du coup, ça vous apprend tout simplement l'utilisation de ces super feuilles pour coller donc les petites frises comme sur la carte là, ou les papillons avec les dentelles, ou les toutes petites découpes dans les poinçons. Voilà. Merci Jérôme, c'est gentil. Bon courage Sandrine. Merci beaucoup, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi et je vous retrouverai avec bonheur la semaine prochaine, même jour, même heure, mercredi, 14h, Harmony Scrap. Je vous embrasse. Ciao, ciao tout le monde.